Mwane nuba fiki mwimane wimane yawa emunkachi mwenu. Mutambule ibosobe nulumbule nje wadina wo. Lumano mulenda. Ale kanga, abasonje, aja tudibino njini. Amina muna akula, mwandana akula, eiludi ande ipo mkabwa kwa akula. Aja tudwe na nango shikwe jipena angatubana mene anjini. Province ngezu, kwena teritwara itano. Yaya teritwara itano. Kina teritwara lubao. Kina teritwara kabini. Kina teritwara kamish. Kina teritwara aluinu. Kina teritwara angandashi. Yaya ese mwana yaya teritwara kutukashi. Ajimbe ufu mungu sonye wabo. Ena matatwa. Sube boku takafu. Le campaya mui nobe, akite mudi mwai, bakutwa nobe, dokuchiswanga mui nobe, atupa nuba tulina, atupa dire na mu, kwasa ya premier ministre, atuka na mukwe tukuba solo, sutwe kala kalulu, atuka limbana kwasa ya umbo, ya ya kiteje kubo, inyo kwasa ya fulilo, ya president de la republique na mu kinji kipindi mwanda tui mwumuni, elambo kumu obe mpayo, tukusangu, lea tukutusangu bandu, mui nobe ele na mwaye,
en tant que membre de l'Union Sacrée, en tant que l'autorité morale d'un parti politique, sensibiliser la population de la province de l'Omami à l'enrôlement massif. Nous avons l'avantage de transférer à notre champion, c'est-à-dire à Félix Antoine Tshisekedi, qui est le candidat de votre parti et de notre plateforme. Le deuxième mandat. Donc quand vous vous enrôlez beaucoup, vous pouvez augmenter le nombre de sièges. Ça permet aussi de réduire les tensions qui naissent de contestation électorale. Au lieu qu'il y ait 100 personnes qui se disputent un siège, il y en aura qui vont se disputer 2 sièges, il y en aura qui vont se disputer 100 vont se disputer 3 sièges. Nous sommes pas d'accord. Kabila n'a jamais changé depuis 2006. 3 sièges quand c'était de victoire, 2 sièges pour le territoire et 1 siège pour la ville. Douba, on n'a jamais changé. Partout ailleurs, là, ça change. Donc l'avantage d'un enrôlement massif, c'est qu'on peut diminuer chez quelqu'un d'autre qui se sont enrôlés, on augmente ce siège de chute. Alors, la jeune est née en 2009, fini. Comme une résurrection d'un parti qui a été créé en 1992 à l'époque de la présidence nationale souveraine. Donc ce n'est pas le parti des gens qui ils créent le parti pour le créer. Moi j'avais déjà eu une vision de tout un parti nationaliste qui prône le patriotisme comme doctrine. L'existait déjà et la sociale démocratie comme idéologie de l'État. Voilà le résumé de cette fois. Le patriotisme, la nationalité, la démocratie. Merci. C'est même une obligation en termes de la loi électorale. Si vous vous implantez là, vous ne répondez pas à une contrainte. La contrainte, ça fait lorsque vous présentez des listes, il faut les présenter au pourcentage de 60% des sièges en compétition. C'est pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Donc rien que ça. Et la deuxième contrainte, il faut réunir les quotients électoraux. Les quotients électoraux, c'est 1% des suffrages exprimés. Admettons qu'il y ait 27 millions de personnes qui vont voter en 2021. Le parti doit réunir 250 000 voix pour être éligible au partage des sièges. Donc, rien qu'au terme de la législation électorale en vigueur, tout parti doit être national. Ça doit être quelque chose de paroissial qui vient s'installer à Kabinda ici, on s'attaque aux gens, on prend que ça partit de Kabinda pour devenir parti. Donc, ça c'est une vision pure des personnes qui ont une compréhension tout à fait de leur niveau. Et comment les choses se passent dans la vie. Quelque chose, j'amène quelque chose, c'est qu'on attend de moi quelque chose. Et je suis convaincu que les moments, les momentum, la conjoncture politique était des groupes favorables pour que je sois là où je suis. Alors, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont joué. C'est quand nous sommes partis, moi, Bochab et Moutoun, on a dit, les dernières digues du FCC venaient de sauter. Et c'est eux qui incarnaient le système de dire que le FCC ne va plus exister. Et la preuve est là. Alors dites-moi, si j'étais au FCC, vous m'avez dit, vous ne prenez pas part aux élections. Est-ce que moi j'étais de cet avis? Est-ce que je pouvais être de cet avis de moi, j'aimerais un vide électoral? Je n'étais pas de cet avis, je ne pouvais pas être de cet avis. Vous aurez constaté que même ceux qui étaient restés, beaucoup sont partis. Beaucoup se font enrôler, on leur a demandé de s'abstenir, mais ils sont très souvent enrôlés. Félix Tshisekedi lui peut te faire confiance qu'il va bien battre la campagne. Il me fait confiance. Quand on voit comment on est en train de tracasser les gens ici, je vous ai dit que moi, je sois là. Donc, quelque part, il y a eu une passerelle et des contacts. Tshisekedi ne recrute pas un monsieur lambda, un monsieur ordinaire.